Non, c'est que les enfants, parfois, parfois, il faut être dur. Parce qu'il y a des gens qui sont incrédules, en fait. Il y a des gens qui sont incrédules, vous voyez. Moi, j'ai dit aux enfants, j'ai dit, parce que les gars, on me vole. Ils volent. Comment tu peux avoir des enfants? Tu as tes propres enfants et ils te volent. Et ils ont... Ils volent. Tiens un peu le téléphone ici. Quand tu dis à un prophète de filmer, voilà les conséquences. Tiens. Voilà, ne touche pas les trucs. Donc, maintenant, ils ont volé. Tes propres enfants, tu arrives dans la chambre. Ta chambre. Les enfants forcent ton coffre-fort. Donc, c'était pour moi, c'était un peu comme si je rêvais, comme un rêve. C'est pas possible. Tu fermes la porte, tu te demandes par quelle magie quelqu'un a ouvert ta porte. La porte, la clé n'est pas forcée, mais le coffre fort. Donc, j'ai dit, bon, maintenant je ferme la porte de la chambre, la porte ouverte. Quand je sors, je ouvre, je laisse. Mais je fais une réunion en partant. J'appelle tout le monde. Je dis, ouais, ma chambre, tu entres, tu touches 5 francs. Tu es maudit. L'ange de l'éternel qui est dans ma chambre, tu es maudit. Ton zizi est maudit. Les enfants qui vont sortir de là, maudit. La femme qui va recevoir ça est maudite. Donc, volez. Vous êtes malade dans vos têtes. Vous volez un prophète. Et nom de Dieu. Voyez les signes. Main de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste. C'est que le plus souvent, ceux qui sont proches des hommes de Dieu, ce sont les plus grands perdants. La familiarité, les plus grands perdants. Parce qu'ils perdent de vue le sacré. On s'habitue pas à la grâce, on s'habitue pas. À partir du moment où tu commences à faire de Dieu ton ami, tu commences à mourir. Donc l'onction, on ne se familiarise pas. Attention, nous qui sommes serviteurs de Dieu, fais attention. Ne te familiarise jamais à Dieu, ce n'est pas ton égal, ni à sa grâce dans ta vie. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, bon, comme j'ai la grâce maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Mon ami, Dieu peut te surprendre. Dieu te déracine comme ça, il te jette dehors. On te dit 15 jours, tu faisais tes jours, c'est toi qui faisais. Toi-même, tu vas te voir à la télé, tu as donné, hein, c'est moi qui faisais ça. Tu seras incapable de faire. Parce que le ministère, les gens pensent que c'est la capacité humaine. Ce n'est pas la capacité humaine. Il y a une force derrière. Merci. C'est comme tu disais tout à l'heure que les gens... Hey. Donc, le système de climatisation, c'est comme ça qu'on met ça sur le toit. Hein. C'est ça là sur le toit. C'est... Non, ne filme pas là-bas. Les gens vont savoir où je suis. C'est ça sur le toit là, non? C'est pas possible. Donc, j'ai parlé de quoi? C'est familiarisé avec la France. Peut-être que c'est passé avec Balta. Exactement. Vous connaissez qui dans le ministère qui a mal agi, s'est opposé, qui a volé et qui est bien aujourd'hui? Personne. 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 Moi, j'ai dit à Balta. J'ai dit à Balta. Ça, c'est l'église. Vole-moi, pas Dieu. Et sorti 6 millions pour les vitres comme ça. Là. Tu vois, ça n'a pas été fait. C'était 4 millions, c'était 6 millions, c'était 4 millions. Ça n'a pas été fait. Les gars qui travaillaient, ils ne leur ont rien donné. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Je l'ai appelé, je l'ai dit, Balta. Si dans le chantier, tu as volé 5 francs, ça ne sera pas bien chez toi. Et je suis arrivé au chantier, je l'ai appelé, je lui ai dit que je vois la mort chez toi, va faire les examens. Il m'a tourné. Il est mort. Donc,
prochain. Toi, tu connais qui a Rema, qui a... Vous connaissez qui? En fait, personne. Que ce soit même pour ceux qui ont travaillé à vos côtés, même pour vos travaux personnels, personne ne s'est en sorti. Vous n'êtes pas dit l'église. Donc, quand quelqu'un arrive, dès qu'il me dit je suis enfant de Dieu, pour un travail, je mets la main sur ma peau, je tiens mes poings dans mes mains. Il dit que tu es quoi? Il dit enfant de Dieu. Dès que quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, un technicien, je préfère un païen. C'est les païens qui vont sauver dans certains chantiers. Le chantier dont je parlais là, un monsieur est venu, il dit 350 000 le mètre carré. 350 000. Tu travailles sur 800 mètres carrés, près de 1000 mètres carrés, plus de 350 millions. Donc, gros œuvre, seulement vous êtes déjà dans les près de 120 millions, 130 millions. Parce que parfois, les finitions, c'est encore plus cher. Que... Mais j'étais déjà vacciné. Les malhonnêtes m'avaient vacciné. Maintenant, je suis sage, grâce aux malhonnêtes. Et non pas par votre d'habitude, vous avez l'habitude, vous avez dit, vous avez une notion de tisbite. Mm-hmm. Et bon, beaucoup ne comprennent pas ça. Parce que tous les prophètes l'ont mis dans la Bible, même les prophètes dont sa parole était redoutable, c'est le prophète Élie. Mm-hmm. Il a tué des escrocs de près de 150 hommes. Ici, je suis prophète. Il y a vos frères à la maison, hein. Si quelqu'un me vole encore dans cette maison, je n'intercède pas pour la personne. La malédiction vient, ça te touche. Je dis non, je ne ferme plus la chambre parce que j'ai fermé la chambre, vous êtes entré dans ma chambre comme des esprits. La porte n'est pas ouverte, vous êtes entré, vous êtes sorti. Je dis bon, maintenant. Je laisse la porte, je ne ferme plus ma porte, la porte de ma chambre. Non, elle est ouverte. Voilà la porte. Le courageux entre. Vous savez que maintenant, quand je parle, j'entends seulement, papa, voici tes 3000. Je dis merci mon fils, tu es ça, Dieu te bénisse, je récupère mon argent. Après l'autre dit, ah papa, j'ai pris les 50 sur ça, je ne sais pas si c'est pour vous, parce que moi, on ne veut pas le problème. J'ai dit que comme on ne sait pas de quel côté c'est, il ne faut pas prendre le risque, donne mon fils. Je veux dire, je te préserve. C'est mieux que je te préserve. Oui, bah, je t'aime, mon amour. Un peu, gars. Non. Non. Mais les gens qui vont... Hein? Dans l'histoire de la Bible, tous ceux qui ont pioché, qui ont volé, leur frère a toujours été... qui se sont attachés d'une manière ou d'une autre, qui ont voulu contourner, aller prendre la lèpre. Comment quelqu'un peut voler? On a fait le culte national l'année passée, j'ai vu des gens voler où j'étais assis. J'ai vu des gens mettre la main dans le panier. J'ai dit à la direction des finances que l'argent, hein, l'offrande, tous ceux qui ont volé dans la Bible sont morts. Ils sont devenus lépreux. Après leur vie, Géasi a volé ça. Ça n'a pas été fini. Le ministère s'est arrêté. Tous les hommes de Dieu qui ont volé Dieu, dans la Bible, leur ministère s'est arrêté. Ça montre que Dieu ne joue pas avec l'offrande. Hein? Vole mon argent, mais pas l'argent qui est consacré à Dieu. Géasi a volé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Son ministère est fini. Il est devenu lépreux. Ophni et Phinéas, quand ils ont volé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Leur papa, parce qu'il n'a pas pris une décision ferme lui-même, il est entraîné dans le jugement de Dieu, le châtiment de Dieu. Celui qui joue avec l'offrande, joue avec sa vie. Vous voyez? Donc, je n'ai pas un modèle de personne dans notre ministère qui a joué avec l'offrande et qui est bien aujourd'hui. Ça n'existe pas. Papa, il faut aussi dire même que pour ceux qui... comme Géasi, le font au nom de leur père. Mm-hmm. Ils volent des personnes, comme peut-être les arnaqueurs aujourd'hui, qui se lèvent et au nom de leur père, ils ne pas dire, mon père, c'est lui qui m'envoie, il m'a dit, donne-moi ceci. Oh, je viens pas, mon père, je suis le fils de...
aime ça aussi. Tu moi, je suis ton frère, non, mon frère. Vraiment, quand je dis ton frère, mon frère. J'esquive la localisation. Regarde, je fais mon tour. Attends, galon. Pourquoi ne nous retrouve pas? Il y a des esprits, quand je fais direct, il y a des esprits. Il y a des gens, c'est pas le direct que je suis. Mais le GPS, que l'homme suit. On peut le localiser où? Il est de quel côté? Voilà, on est à Abidjan. Papa est là. On est à Abidjan, à Kouaba. Vas-y, c'est comment on fait? Ça, c'est à l'aéroport. On va manger ça ensemble. Aïe. Le vol, c'est dangereux. T'as dit, je ne comprends pas comment quelqu'un peut voler à l'église. Et il y a des gens qui volent jusqu'à présent. Bah aussi, voler aussi quelqu'un qu'ils appellent papa. Mm-hmm. Parce que c'est ça aussi le problème. Beaucoup vous appellent papa. Oui, toutes les populations de Yopougon, Cocody, Benjéville. Mon frère, t'as encore des trucs de chinois. À Bobo, on vous attend. Yétri, on vous attend. Makori, Trècheville, peu importe où vous êtes, on vous attend. Mm. Demain à la Synepsie, Yopougon, à partir de 17h, soit la 16h. Ce mardi, à partir de 17h, soit la même très tôt, 16h, pour gagner ta place. Ça va aller très vite. Donc, vous qui volez dans les églises, vous êtes morts. You are dead people. Je parle à tous les diacres. L'apôtre de Dieu, Suleiman a expliqué que le moment où ses yeux s'ouvrent, il s'est rendu compte que tous les responsables de son département de finances avaient les maisons. Vous voyez que tu as un entrepreneur. Il y avait un entrepreneur qui devait faire un travail pour moi. Le gars, c'était fort sur lui. C'est-à-dire que même marcher à pied, il n'avait pas l'argent pour marcher à pied. J'ai dit, va prendre le taxi. Et vous imaginez que quelqu'un fort au point où marcher à pied, il n'a pas le moyen pour marcher à pied. Je lui confie un chantier. Et comment le chantier, Et un mois après, un jour, j'arrive au chantier. Je vois une belle voiture garée à l'entrée du chantier. Il demande aux enfants qui visite le chantier, qui est en train de visiter le chantier aujourd'hui. On dit que non, c'est l'entrepreneur. J'ai dit qu'il a loué. J'ai une voiture location, on dit non, c'est sa voiture. Il a même arrosé, tout le monde a bu ici là. Et j'ai dit ok, d'accord, je suis allé. J'avais dit que ça va ficher. Ah papa, 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 papa. Quelqu'un m'a dit un jour que quand tu remarques qu'un enfant est ovaloyal, c'est-à-dire l'excès de loyauté. Quand j'ai puni une de mes filles pour excès de loyauté. Donc, le fils était excessivement loyal. Tu ne peux pas l'appeler, il ne vient pas. Quelqu'un m'avait dit, quand tu vois le genre d'enfant là, faut faire attention, c'est que le gars préserve quelque chose. Donc, je le vois, je dis que... Comment tu as dit ça va, papa, vraiment? Je lui dis que la voiture, j'ai vu une voiture en entrant là, c'est la voiture de qui? Il dit, papa, Dieu a béni. Je lui dis que, on ne se convient pas que Dieu a béni. Je ne dis qu'on ne vient pas. Je sais que la grâce est là. Oui, mais Dieu a béni comment? Telos. Comment il est passé? Par où? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique. Et j'ai dit non, vraiment, papa, Dieu a béni. Vous savez, on appelle Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le grand pourvoyeur. Je lui ai dit qu'il n'y a aucun problème. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha Nissi, tout ça, on connaît. Mais Jéhovah Jireh est passé par quel chemin? Il passait. Même manger, tu n'en veux pas. Les habits, tu n'as pas. Les chaussures, tu n'as pas. Jéhovah Jireh
apparaît et ça coïncide. Il apparaît brutalement et ça coïncide avec mon chantier. Et il te bénit. Je dis que... Mais je veux que tu m'expliques si mon chantier n'est pas mêlé à la bénédiction de Jéhovah Jireh dans ta vie. J'ai dit non, papa. J'ai voyagé. Sam Gaoundéré, je l'ai appelé un jour. Je parlais. Je lui ai dit que, écoute mon fils, si tu as volé 5 francs dans le chantier, là, je te le dis par l'Éternel qui m'a appelé. Sauf si Dieu ne m'a pas appelé. Tu vas fuir ta maison en plein jour. Plein jour, tu ne vas rien prendre. En plein jour, tu vas tout abandonner et partir. Il m'a dit, non, papa, je n'ai pas pris. Oh non. Et je lui ai demandé, est-ce que mon argent que je te donne n'est jamais resté? Et tu as géré. Ne dis pas que tu as volé. Parce que tu vas dire qu'on a dit que je suis voleur. Je ne dis pas que tu as volé, tu as géré. Il m'explique que oui, parfois ça reste de GG, ça de temps en temps. Il dit ok. Tu as suivi ce qu'il a dit? Il dit oui. Ok, ça va. Quelque temps après, juste après le chantier là, pam! En plein jour, il a fui sa maison avec sa femme. Ils sont partis. Il y a un problème qui est arrivé. Ils ont tout laissé, tout, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait des années, ça fait au moins 4-5 ans aujourd'hui. Donc, j'ai nommé une directrice générale de finances après. Un jour, j'arrive à la maison, je vois une voiture garée. La nouvelle directrice générale de finances. Je vois la voiture garée avec quelqu'un, un monsieur devant la voiture. Jean, je demande aux enfants qui est chez moi. Oui, c'est la DGF. J'ai dit ok. Elle a loué la voiture, elle est venue avec. On dit, on ne sait pas. Je vais donc vers elle. Je dis bonjour ma DGF. Oui. Mm. J'ai mis une voiture garée devant le portail là. C'est toi qui es venu avec, on dit. Elle dit oui, je dis ok. C'est une voiture location. Elle dit c'est sa voiture. J'ai dit que le monsieur, elle dit son chauffeur, j'ai dit attends. Quand tu as commencé ce travail, tu marchais à pied. Attends le chauffeur. À peine quelques mois, non seulement tu as la voiture, mais tu as le chauffeur. C'est-à-dire que. Mais moi-même. Non, c'est-à-dire que moi-même, mes chauffeurs me menaient de temps en temps. Tu vois, le chauffeur veut t'amener en brûle dans le champ de ce chauffeur. Tout. Quand tu as. Et en plus, le chauffeur, il est bien habillé. Il a dit que je pense qu'il faut que tu m'expliques bien ce qui s'est passé. J'arrive l'autre jour, je l'ai trouvé en train de travailler. La directrice générale des finances adjointe m'annonce que Dieu l'a béni. Il dit que, amen. Amen. Il t'a béni comment? Elle dit, avec une voiture. Il dit que... Même toi, tu l'as véhiculé. Je dis que je vois que l'opération est perdue. J'ai passé et vérifié la personne. Bon, mais elle, c'était normal en fait. La DGF, c'est la voiture de son mari. Et l'autre, c'est la vieille voiture de la DGF avant les fonctions qu'elle lui a donné. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu te donne la responsabilité de travailler, moi, si tu viens me dire que ton assemblée a produit 100 francs, je ne cherche pas à savoir si tu dis vrai ou si tu mens. Ça, je n'ai jamais fait ça. Vérité. Jamais. On a des pasteurs, deux pasteurs qui sont arrivés. Un pasteur qui vient avec toutes les offrandes. Quelqu'un, les offrandes, les dîmes, tout. Il vient à la réunion pastorale. Il dit qu'il venait, on l'a agressé. On a arraché l'argent. De fortes sommes d'argent. Tu regardes, tu cherches l'agression sur ton fils, de la tête jusqu'au pied. Le gars,
Et même, il a plus d'embonpoint que toi. Il a dit, quand tu vas à la gloire. Il n'y a pas la frayeur. Il n'y a, pas... a rien. Il n'y a aucun traumatisme. Il est très rien, aucun stress. Le gars est d'abord en costume, cravate tirée à 4 et 20. Il te dit, papa, on m'a agressé. Et on a pris tout l'argent. Tout ce qu'on a pris, c'est l'argent de l'église. Mandjunga, que c'est dans votre chambre. Le sac de l'argent est où? Il dit que non, le sac de l'argent. Il dit récupérer l'argent. On a récupéré l'argent. Regardez un peu des gens, des pressions ici. Donc, je lui ai dit que ok. Il me dit que non, vraiment. On a volé l'argent de l'église. On a tout volé. On a agressé et on a arraché l'argent. J'ai dit que ok. Rien, on t'a rien fait. Il dit non, gloire à Dieu. Nous recevons papa. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui croient. Les arrêts sont dangereux. Ils campent pas sur l'argent. Il dit que mais il campe sur tout sauf sur les offrandes. Il dit que non. Que c'est moi, devant le mouchoir là-bas. Il devait avoir le tuyau ici. Il dit que non, non. Que ce n'est que sur l'argent que l'ange n'a pas pu camper. Ça m'a blessé. Hein. C'est de faire des pressions. Non, 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 pressions, faux pressions qu'on a ici. Tu vois, pressions, ils te gardent même les amis. Donc, il dit qu'on a arraché. Oh. Je lui ai dit, ok. Maintenant, tu me dis pour qu'elle fasse quoi? Qu'elle fasse comment? Je ne peux pas porter plainte contre quelqu'un parce qu'il a détourné l'argent de l'église. Je ne peux pas. Parce que la malédiction qui en découle est déjà trop lourde pour que j'augmente la peine, une peine sur la personne. Et je dis, ok, d'accord, ça va. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Je ne sais pas si on va dire, le Seigneur a donné son serviteur a repris. Je ne sais pas. Mais... je ne sais pas quoi dire, donc... Ah! Mais la seule chose, c'est que ton ministère est fini. Tu t'assois. Ça s'arrête aussi. Là. Parce que dans la Bible, j'ai pas vu quelqu'un qui. Et ce qui est donc là, c'est qu'après, tu vois quelqu'un ouvre l'église. J'ai pas dit ça avec l'argent là. J'ai dit qu'il ouvre l'église. La gloire du Seigneur. Maintenant, son frère. Comme on n'a rien fait à l'autre, on l'a fait, on dit le pasteur n'est pas disponible, toi vas le remplacer. Il travaille un mois. En revenant, lui au moins, papa, 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 oh, oh, hey, papa, papa. Il dit que mon frère, tu as deuil, tu as perdu qui? Il dit que... L'argent de l'église, on m'a agressé, on a tout pris. La Bible dit que le brigand, là, quand on l'a agressé, le monsieur le publicain qui a été agressé par le brigand, quand on l'a vu, mon frère, tu voyais l'agression sur le gars. On a même hospitalisé. On a même hospitalisé après l'agression. Tu vois, il a dit, papa, papa, mais l'habit, le pantalon repassé, c'est comme ta part, là, comme la lame de rasoir, tu sais, ça te blesse. Tu sens que le papa ne vient pas du cœur. Tu sens quelqu'un, il dit papa, papa. Il appuie les yeux pour que les larmes coulent. Papa, papa. Je lui ai dit que, ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que tout l'argent de l'église qui venait, on m'a agressé, on a volé. Il dit ok. Tu veux que je dise quoi? Que fasse quoi? Ok. Le Seigneur a donné son serviteur à repris. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Ne dis pas de problème. Assois-toi donc dans la foule. Assois-toi. Bon, pourquoi? Parce que les gens hypothèquent leur destinée prophétique. C'est ça que les gens comprennent. Hein? Ils hypothèquent leur destinée prophétique. Pourquoi venir voler peut-être 1 million? Pourtant, Dieu te réserve des milliards demain. Si tu es fidèle et loyal. Pourquoi?
Pourquoi? Donc moi, je pense que tous ceux qui travaillent dans les départements de finances, dans les églises, c'est rare de trouver des personnes qui ne volent pas. Elles sont rares. Des gens volent. Même le dimanche, des gens volent. Quelqu'un porte le panier. Moi-même, à la bille, j'ai attrapé des gens qui volaient. J'ai vu une de mes filles à la bille, elle a pris l'argent, pam, elle a tenu en main. Elle a ramassé ça, elle a tenu en main, elle tient le panier. J'ai demandé qu'elle demande l'argent qu'elle a en main, là, qu'elle remette ça. Elle dit qu'elle séparait l'argent là de ses frères. De ses frères argent. On avait eu un cas comme ça, oui, le papa. Elle dit à que chaque fois, comme on apporte le panier, quand on finit de prendre les offrandes, on amène le panier dans la salle des comptes. Donc, c'est lui qui amenait souvent le panier. Donc, lui, quand on fait, lui paraissait dans là-bas dedans, il choisit les billets, tous les gros billets, il met la poche, il ressort tranquillement. Donc, alors, un jour, le père demande de faire une autre offrande. Donc, il décide de faire une autre offrande spéciale. Maintenant, on va chercher, pour chercher les baskets, les paniers pour. On veut ouvrir, c'est bloqué. Il y a quoi? Le gars est bloqué dedans. Il n'y a pas moyen de sortir. Il est dedans là-bas. Le gars est chargé de partout. On a dit que bon, il faut attendre. On finit de faire le culte. On va revenir trouver, gérer ton cas. Depuis le jour là, le pasteur disait que. On ferme, tout reste sur place ici à l'église, on finit le culte, on va tous compter. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des pasteurs qui comptent l'argent avec leurs femmes, avec les enfants à la maison. L'église aujourd'hui, c'est. La Bible dit qu'à l'époque de Moïse, lorsqu'on confiait l'argent au sacrificateur, on ne leur demandait pas comment ils géraient. Parce qu'ils craignaient l'Éternel. Et la Bible dit que lorsque l'argent restait, il ramenait à Moïse que voici l'argent qui est fait comment. Et parfois, quand il demandait un montant et que le peuple en apportait plus, il venait dire à Moïse qu'on n'en a plus besoin. Mais aujourd'hui, la plupart des diacres dans les églises responsables des finances là ont des malédictions sur eux à cause du vol. Même les pasteurs, c'est. Tiens, même, je mangeais plus. Les pasteurs voleurs, même parmi mes fils là, il y a plein de voleurs. Plein de voleurs. Les pasteurs qui font des faux comptes. Le gars suscite l'argent, il ne dit pas la hiérarchie. Prends l'offrande, ça a donné 100 000, il met dans le rapport 50 000. Les dîmes, ça donne 20 000, il met 15 000. La malédiction. Un pasteur comme ça, Dieu va t'utiliser comment? C'est pour ça que parfois, quand tu vois un homme qui struggle dans le ministère, il se bat, il se bat, il se bat, ça ne donne pas, il se bat, ça ne donne pas. Tu te demandes, est-ce que Dieu est devenu injuste? Ce n'est pas Dieu. Hein? C'est qu'il y a des choses que la personne fait que nous ne connaissons pas. Il y a des actes. Parfois, c'est le salaire des actions secrètes, des mauvaises œuvres de la personne. Parce que Dieu voit où nous on ne voit pas. Donc quand tu vois un homme de Dieu qui ne s'en sort pas dans le ministère, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou il y a quelque chose qui n'a pas compris. Ce n'est pas forcément qu'il vole l'argent, non. Soit il n'a pas compris un mystère dans le ministère. Il y a quelque chose, il est là à connaître. Parce que le ministère, la marche avec Dieu, c'est un peu comme des élèves dans une école. Ceux qui sont plus intelligents réussissent. Ceux qui sont moins lents à comprendre, ceux qui sont lents à comprendre du mal. Et ceux qui connaîtront leur Dieu brilleront comme la splendeur du ciel. C'est ça en fait, la connaissance. Je veux dire qu'il y a les carnets de dîmes à une. Tu remplis le montant, tu mets dans tu coupes, tu gardes la souche, tu mets dans l'enveloppe avec ton argent. Ah bon, hein? Nous, on va maintenant mettre les cadenas sur le fond de l'église. Même le patron de finances n'a pas accès à ça. On ouvre ça devant tout le monde. Ça, je ne sais pas comment les gens. Et beaucoup sont morts pour ça. C'est ça que l'apôtre Paul dit que vous avez remarqué que parmi vous, il y a beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. Parce que vous mangez le corps du Seigneur sans discerner. C'est ça le problème. Sans discerner. C'est-à-dire que quelqu'un à l'église, il ne discerne pas qu'il est assis là.
soit sur une mine de bénédiction ou une mine de malédiction. Comprends pas que Dieu est là, Dieu est vivant. Que c'est un endroit, il faut pas s'attarder. Beaucoup de personnes, même quand ils font ça, ils cherchent à ce qu'ils doivent trouver un autre prétexte extérieur que ça. Peut-être que non, il faut qu'on leur dise que leur grand-mère ou leur grand-père, c'est eux qui ils sont à l'origine de ces malheurs. Or, lui-même, il sait que c'est lui qui. Non, sa grand-mère, voilà l'église. Non. Donc, ils veulent qu'on dise. Donc, en quelque sorte, ils essaient de remettre cette malédiction sur Satan. Mais bon, comment un pasteur peut voler? On donne les offrandes, quelqu'un mange. Il ne dit pas. Quelqu'un donne de l'argent pour l'église. On a eu des cas comme ça, non? On donne, quelqu'un veille, donne une brebis, donne une semence pour l'église. Le pasteur va dire que c'est pour lui qu'on a donné. Ah oui? Tu te souviens, j'étais passé à Ebogo. Tu étais là, non? Est-ce que tu étais là? À Ebogo 1. Lorsqu'on a volé les offrandes d'un vendredi, on a tout volé. Toi, tu te souviens? J'étais allé à la radio le samedi. Il demandait à Dieu qui a volé. Qu'est-ce que les gens faisaient? Parce que quand les gens vous voient autour de moi, ils vous font confiance. Hein? Ils vous font confiance. Mais vous ne comprenez pas que certains d'entre vous sont des bandits. Ils ne sont pas dignes de confiance. Donc les gens faisaient confiance à vos frères qui m'entouraient. Ils leur donnaient leurs offrandes. Parfois quelqu'un est par ceux-là et il dit, ah pardon, mon fils, comme tu es dans la garde rapprochée du prophète, prends ma dîme, va mettre dans les troncs, à l'hôtel. Ya, ya, maman, il n'y a pas de problème. Oh, mais c'est une offrande spéciale. Tu vas jeter sur la dîme là, je vais mélanger ça. Je te mets ça là. Considère que c'est déjà arrivé. Mais cet argent n'était jamais arrivé à l'hôtel. Jamais. Jamais. Jusqu'au samedi où j'ai dit à Dieu, Seigneur, qui sont les voleurs? Qui a volé? Le Seigneur m'a montré sur moi. J'ai vu les images avec les noms. Tu te souviens ce qui s'est passé le dimanche là? Le culte était devenu le deuil. Parce que quand j'étais à Douala, le dimanche là. Le culte est devenu le deuil. Le chef de ma garde est rapproché. Et les pasteurs prennent l'argent. T'as dit voler en plein culte. Plein culte. C'est pour ça que quand on adore maintenant, j'ai interdit que quelqu'un adore à côté du panier des offrandes. Là, tu vois quelqu'un qui adore. Holy, 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 holy. Oh, le Saint de la main va me parler. Holy, oh, hey, Seigneur, holy, oh, hey. Yahweh. Et quand vous êtes dans l'adoration, et holy, la main dans le panier en pleine église. L'église. Malheureusement. Maintenant, tu vas aller où avec le ministère? Tu vas réussir comment? Tu vas avec quelle magie? Quelle sorcellerie? You cannot. Tes œuvres vont te rattraper. Ok. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Un message à tous ceux qui travaillent dans le département des finances, dans les églises. Si tu as volé un jour, va voir ton pasteur, confesse. En commençant par chez nous. Je parle à tous ceux qui travaillent dans les finances, les délégués de finances, sur la direction générale des finances. Si un jour, parce qu'on a une déléguée qui récupérait les vieux billets de 500, elle n'a pas dit qu'il volait, qui récupérait les vieux billets de 500, 1000 francs, pour en faire bon usage. Bon, c'est elle qui décidait des vieux billets. Ça pouvait être craquant, mais ses yeux montrent que c'est vieux. Et elle décidait du sort des billets. Le sujet est dans le département des finances, vous avez touché à l'argent de l'église, à l'offrande, vous êtes un lépreux. Moi-même, si quelqu'un veut me donner l'argent, il dit que ça c'est pour l'offrande à Dieu, je ne touche pas à ça. Ça, les gens savent ça. Je ne touche pas. Il y a une maman qui est arrivée, c'était samedi, je suis allé au palais du sport. Il y a une maman, celle qui ont présenté Biaker. L'ONG, ou c'est Biaker et tout, elle m'a parlé, elle m'a donné une offrande. Elle m'a dit, oh, ça c'est l'offrande pour. Je ne sais pas, elle m'expliquait. Je lui ai dit, non, maman, je ne veux pas l'offrande. Vous allez présenter votre sans problème. Pas d'offrande, je ne veux pas l'offrande. Je lui ai dit, maman, elle m'a dit qu'elle était scandalisée.
qu'en entrant, elle demandait que donc il y a des pasteurs qui refusent les offrandes ici. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il faut faire attention. On ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. Il disait à une de mes mamans qui a décidé dans un de nos pays, dans un des pays, à acheter les bouteilles d'huile de faveur et acheter l'huile et puis on prie sur ça et elle-même, elle conditionne l'huile de faveur pour les frères qui sont éloignés. Et de là, enlever un peu de cet argent pour acheter les pains pour les frères, la diaspora et tout. Je lui ai dit non, tu n'as pas le droit de disposer de l'argent de l'église comme tu veux. Donc, elle m'a expliqué que non, c'est qu'elle n'a reçu aucun soutien, c'est elle-même qui finance ça. Et j'ai dit à partir du moment où tu consacres quelque chose à Dieu, ça ne t'appartient plus. Et ça ne t'appartient plus. Ce n'est pas toi qui gères ça. C'est les sacrificateurs, les pasteurs, les hommes de Dieu. C'est pas tous les hommes de Dieu qui gèrent ça. Je lui dis, quand il y a quelque chose, vous devez me tenir informé. Parce que moi seul connais mieux que vous les besoins du ministère. Et parmi les besoins les plus pressants, c'est ça que les gens la comprennent. Donc si tu as volé l'argent dans ton église, tu es en train de me suivre, tu es un voleur des offrandes, mon ami, tu as choisi la mauvaise part. Tu as choisi une très très mauvaise part. Le dernier d'entre vous là s'appelait Judas Iscariote. Savoir ce qui lui est arrivé. Donc il faut aller voir ton père spirituel. Demande-lui pardon, qui prie pour toi. Si c'est possible que Dieu te pardonne. Ça c'est très important de le savoir. Donc nous sommes à Abidjan, nous bénissons le Seigneur, nous aimons la Côte d'Ivoire. Et le 4, le 5, le 6, nous sommes à Yopougon Sable, dans l'auditorium de la Synepsie, tous les soirs à partir de 17h, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et le 5, 6 et le 8, nous avons la conférence d'impartition dans... Le 7. Oui, le 7, nous avons conférence d'impartition à Port-Boué. Vous le disiez, vous le disiez. Vredis. Mais attendez, moi aussi on a fait le reste, vous ne connaissez pas Vredis, comment mes frères. C'est la salle de la commune, à Port-Boué. Port-Boué, voilà, la salle de la commune aussi. C'est Vredis. C'est Vredis, c'est ça que c'est. Donc voilà, ne manquez pas au nom de Jésus. Et le 8, je dois recevoir tous les partenaires financiers de la Côte d'Ivoire. On aura une tête à tête. Voilà. À huis clos avec chacun de vous. On vous dira où les bureaux sont situés. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Nous nous retrouverons ce soir à partir de 21h pour un spécial direct. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. C'est Vredis. Port-Boué. C'est la commune de Port-Boué. La commune de Port-Boué, à Vredis, là, c'est Vredis. Merci, bye, shalom.